Alors, l'augmentation de la TVA, passage de 7% à 20%, c'est parce que tous les sports, enfin en Europe, tous les sports sont taxés à 20%. Et actuellement, on est considéré comme des exploitations agricoles, donc on bénéficie d'une TVA à 7%. Sauf qu'avec avec l'Europe, tous les autres clubs, les centres équestres de l'Europe sont passés à 20%. Donc il faut que nous aussi, en France, on fasse à 20%. D'où cette augmentation de la TVA. Les chevaux, c'est des animaux qui travaillent ou qui ne travaillent pas. Ils mangent, ils salissent leur paille, donc on les cure tous les jours. Enfin, on les cure. Enfin, qu'on ait du monde ou qu'on n'ait pas du monde, ils continuent à vivre. Donc, moins on a de licenciés, plus moins on a d'argent, mais les dépenses sont toujours les mêmes. On est toujours obligé de les nourrir, qu'ils fassent une heure par jour ou qu'ils en fassent quatre. Donc, Allez, on risque de fermer, je sais pas, mais ça va être compliqué à gérer. Oh. Du gâteau, je dis, je sais pas quoi, mais il est pas sur thème. Vous avez goûté le gâteau de psy, de Non, vous êtes dangereux. Oui, moi je l'ai goûté, il est bon. La TVA ne fera pas en sorte que je puisse plus venir monter parce que j'ai des chevaux et je peux pas arrêter de les monter comme ça. Mais par contre, ma mère m'a dit qu'on fera quand même plus attention au niveau des dépenses, par exemple pour l'équitation et au niveau des concours et tout. Pardon, tu sors pas de là. Ah, mais je peux pas là, c'est pas possible. C'est pas possible, Léna. Mais quoi, c'est impossible. Je peux pas, tu vas qu'est-ce que tu fais. Moi, Cyril, ça c'est Renée, il a 8 ans. Ça fait bientôt 7 mois que je l'ai. J'ai commencé l'équitation à 6 ans. Et avec lui, je fais du saut et du dressage. Tout ça, c'était à la plage de Mimizan. Léa Nini essaye à baumer. Là, il y a la chute de Camille Mamborghi ou Sam. Là, il y a Hugo du Pocket et Camilos. Là, il y a Amanda et Sweetie. Là, Hermine et Momo. Oussam et Camille. Prunelle. Minos et Célia. Et cette photo-là, c'est quoi? C'est la médaille d'argent de Célia Baumeux, championne d'Aquitaine, en amateur 3. Donc ça, c'est Prunelle, c'est ma jument. 3 ans et demi, depuis 4 ans. Elle est anglo-arabe. Et voilà, et on s'entend très très bien. On fait beaucoup de compétitions. Ça va être pas tout le temps, pas facile. Mais on a une bonne complicité et franchement, je suis trop fière de l'avoir. Alors, si la TVA augmente comme c'est prévu, ben, ce qui va se passer, c'est que les prix des séances vont être encore plus chers. Et même si, quand on est à cheval, bien sûr, on se doit d'avoir le budget qui va avec. C'est vraiment chaud quoi. Pour monter, ça va pas être pratique. Je vais peut-être même devoir réduire mes séances. Donc j'espère pas en arriver là, mais ça m'embêterait quoi. Ça m'embêterait tout le club. Parce que ce qui nous fait vivre, c'est les petits qui découvrent la passion. Et si c'est de plus en plus cher, on aura de moins en moins de monde. Et on a quand même au moins 35 chevaux, enfin plus poney compris à entretenir, et ça va nous aider quoi.
Non, je plaisante. Je dis ça genre, tu vois. Il y a un contrat qui a été envoyé par la FFE, par mail à Françoise, mi-décembre, expliquant que après signature de ce contrat, on aura droit à avoir la TVA à 7% pendant un an. Donc du coup, là je suis en train d'imprimer tous les contrats pour que tout le monde puisse les signer et voilà. En fait, sur ces contrats, il y aura le détail de tous les tarifs qui seront utilisés toute l'année 2014.